Dossier Jovenel Moïse, la retourner et fois ça, c'est des informations que moi-même avec vous, mais ils ont décidé que nous pas de connaître. Des informations top secret que le commun des mortels pas supposé au courant. La justice américaine mandé pour tribunal dans Miami mettez mes sécurité spéciale pour protéger les informations classées. Top secret dans l'enquête sur l'assassinat Jovenel Moïse. Dans une requête pour sécurité amendée, le juge là pour lui nommer un officier sécurité information classifiée. Dans le cas qui compte Mario Palacios, qui est un ancien soldat colombien qui a arrêté dans le cas d'assassinat ça. Requête là, que le juge là et juge là accordé, confirmé lien qui pas fin trop clair entre assassinat président Jovenel Moïse avec action agent intelligent ou soit informateur gouvernement américain, nous voulons parler de lié FBI. Document tribunal yo pas expliqué en détail pour qui ça mes y protection ça nécessaire ou soit qui qualité preuve l'ité carré. Décision veut dire que dossier criminel américain qui déroule, en fait, pas oublié, qui a déroulé parallèlement à l'enquête qui échoue en Haïti. De Haïti, nous connaissons, on va être chargé. Il a nommé juge sous juge, dernier ça a nommé là, mandat est en fin. Haïti montre à clair que le bagage intention fait, on pas quitter, on pas n'ago avec causer ça. OK? Et il y a une série de questions qui toujours été sans réponse. Sous façon, groupe commando colombien et mélangé avec un ancien informateur FBI qui connecté avec compagnie sécurité dans zone Miami, avec des anciens informateurs administration renforcement drogue, DEA, tout est venu accusé pour participer à l'assassinat ancien chef l'État haïtien Jovenel Moïse. Donc, information ça, justement, mettez de l'eau sur du fait. Souvent, pile monde qui était déjà une suspicion que généralement, et chaque fois qu'il a fait une mise à l'écart du président dans Caraïbes, là, que ça n'a pas jamais fait effectivement sans eh bien l'intervention des États-Unis qui est capable de trouver à un niveau ou à un autre, parce que l'un des États-Unis, il faut comprendre bien, il y a plusieurs gros qualités pour voir, pas bon, ici, t'as un niveau. Il y a des pouvoirs que c'est politique, il faut comprendre bien. Il y a des pouvoirs que c'est politique, mais il y a un pile pouvoir, tous amis, pam. C'est dans le monde des affaires, yoye. La politique américaine est dirigée par l'argent, et c'est ça pour comprendre. Sénateur avec député ou pas fin libre. Donc, dans le cadre de bataille classe sociale, il y a un nègre dans tout pays qui est capable de grand frère, n'importe côté qui est dans la même classe avec eux, justement, pour porter plainte contre yon, moun yon, en mec de yon, et yon capable de décider. Facile, facile, remettre moun sa à mon pièce yo. Donc, mouvement ça, en fait, démarche ça pour protéger les évidences classifiées, li paraît vraiment suspect. Et yon nan suspect, actuellement qui parle en prison, qui c'est Archangel Pretel Ortiz, et que yon quoi qui c'est yon nan tête. Qui te fait complot pour assassiner le président. Nous voulons parler de Archangel Pretel Ortiz. Pretel, yon Colombien, qui a dit qu'il gagnait lien avec militaire depuis 1990. Yo dit, monsieur, c'est un ancien informateur de FBI. Potentiellement, yon bagay qui embarrassant sous relation les États-Unis avec plusieurs mouns. Qui t'a impliqué dans ça. Nous t'avons comprendre que l'investigation criminelle qui a mené sous le président Jovenel Moïse, l'ivini ont causé de sécurité nationale, parce que ça fait nous dire qu'ils ont causé en fait, sécurité nationale par rapport aux États-Unis, puisque on a parlé de yon pile groupe monde qui a gros âme, gros moyen sous le territoire américain. Qui a arrangé au bout Alphonse dans notre pays. Donc, c'est une question de sécurité nationale. OK?
N'a pas rappelé pasteur haïtien qui te gen ambition, en fait, yo di monsieur qui te fait banco, qui te fait application ou bankruptcy, ça veut dire, donc quand ça veut dire bankruptcy, il n'a pas soin, il n'attend pas. Ok? So, monsieur, yo, en fait, qui ta, yo instigateur, nan cause ça à tout. En fait, faut qu'on dise où, décision ça, li son problème d'où, par rapport avec, donc on a gen plusieurs parlementaires, yo même qui te prennent résolution qui vous dit que, yo bay et responsable yo et quelques jours pour yo bay au rapport à clé bay tout détail sur ça qui gien rapport avec la mort ça. Maintenant comprenez bien avec décision ça yo kembe tout secret scellé, donc ça veut dire que c'est seulement juge la cap carré des trois documents, donc parlementaire autre pas capable ouais comprendre bagaille cap sous scellé. Dans la logique, on dit, c'est une décision qui prend pour sauver la face avec FBI et DIA, des séries de bagages qui très embarrassant. Avec ça, il y a des séries de bagages qui ne peuvent pas mettre dehors. Question, est-ce que vous connaissez menace là? Est-ce que vous ne connaissez pas le mourir? C'est ça que vous comprenez là. Ça vous sentez là, c'est que vous êtes au courant de bon bagage. Donc on dit, au final, ça n'a pas aidé vraiment dans un tarif de sauver l'image des États-Unis. C'est une question qui toujours était sans réponse. Qui ça officiel te connaît sur sa situation ça? Qui implication yo? À quel niveau? Surtout, les n'a parlé de DIA, FBI, nous tout connaît, les nègres ont venu, yo sonné, bon. Yo dit c'était fake ou pas. Yo dit DIA, pour yo rentrer. Donc, et ça vient justement et bah plus raison pourquoi sous suspicion qui gagne sous et possibilité de involvement de implication et agency ça justement nan mort Jovenel Moïse qui eux même dit pas grand rien pour ouais avec lui et gagnent des sauveurs des monde qui dans domaine là des observateurs qui canalisent tout. Yo même yo dit li clair ou de coq nan cas ça que et fédéral prosecutor là agency yo a caché des séries de évidences embarrassant au nom de la sécurité nationale. Fon clair sous prétexte de la sécurité nationale nèg yo gen des évidences a caché que yo pas vle que nous connaît. OK, donc il y a un guy sous roche, c'est clair. L'observateur dit il y a un jour roche que vous pas veut identifier. OK, donc c'est ça, c'est comme ça pour nous comprendre causer ça. Fait n'a pas rappelé que tous les 40 nèg qui dans prison eux même initialement ils dit que plan te gagné backup des États-Unis. OK, c'est ça que ont dit, ils dit ont gain backup les États-Unis. Il y a un pile là-dedans qui expliquait et des histoires qui ont rapport avec plan et US gouvernement gagnant pour arrêter d'autres des politiciens et super puissants, des businessmen pour trafic de drogue et de l'argent, c'est ça que vous défendez. OK, donc c'est ça pour nous comprendre. Il dit plan ça qui était présenté devant Ronaldo Covington qui s'est propriétaire de films de sécurité qui n'en baille ça, il était présenté le Covington avocat, c'est ça le dit. Et Gema Distin qui te parlé de rencontre ça dans une lettre de 5 pages et qui te l'a expliqué et qui j'ai encore débattu ça. Donc voilà. Et pour nous comprendre, causer ça. En définitive, ça nous l'a dit. Maintenant, il y a le temps pour nous. Il y a le temps pour que nous suspendions. Et c'est grand pile. En fait, nous avons des bons acteurs qui ont dit que bon. Et entendre les États-Unis et Haïti pas rien, mais genre là pas grand encapsulé les États-Unis, non, pas grand encapsulé les États-Unis, nous sommes dossier classé, c'est un problème. Maintenant les États-Unis Jean Bala il a lié à la fois jugé parti, il a à la fois jugé parti, donc c'est ça fois gagner des monde qui te penser pour te gagner ça nous a relé une investigation pas nécessairement exclusive des États-Unis mais sur organisation comme l'ONU qui est capable de prendre ça.
Madame Basé que Francis Pan est à casser quoi non le dossier de Jovenel a fait chaque le 7 pour n'a venir dire un bagage là c'est un dossier classé OK c'est ça me penser.